Développé par le studio allemand Talion, Lionheart est un jeu d'action plateforme sur Amiga, dont la réalisation de grande qualité fait honneur au micro-ordinateur de Commodore. Sorti en 1993, alors que l'Amiga vivait ses derniers moments de gloire, le titre de Talion fait partie des derniers grands softs de la machine. Avec pour toile de fond un univers médiéval fantastique peuplé d'hommes félins, le joueur prend le contrôle de Valdin, un héros réputé pour son grand courage. Mandaté par le roi, celui que l'on surnomme Lionheart, cœur de lion, doit voyager vers des terres reculées afin d'y affronter le maléfique Norka, cause de tous les maux du royaume. Mais avant de crier victoire, il faudra traverser un grand nombre de niveaux truffés d'ennemis et de pièges bien vicieux, avec pour seule arme une épée. Les différents stages de Lionheart proposent un mélange classique d'action pure et dure, de phases de plateforme, avec un zeste d'exploration. L'aire de jeu se montre assez dense et plusieurs cheminements sont parfois mis en place avec bien évidemment des bonus plus intéressants pour celui qui osera arpenter l'itinéraire le plus périlleux. L'aventure se montre donc variée, avec même quelques phases à dos de créatures fantastiques, apportant un peu de fraîcheur à une formule maintes fois éprouvée. Et comme dans bon nombre d'autres jeux de cette époque, le niveau de difficulté de Lionheart s'avère d'emblée très élevé et seule une connaissance exacte des lieux permet de s'en sortir sans trop de bobos. Surtout, il convient de maîtriser Valdin, dont le maniement n'est pas des plus ergonomiques, il faut bien le reconnaître. Le brave guerrier semble parfois un peu pâteux et réaliser correctement les différentes attaques et autres mouvements de base demande un minimum de pratique. Pour compenser cette maniabilité délicate, il est possible de paramétrer les commandes dans un menu dédié, en choisissant d'allouer un deuxième bouton pour le saut comme pour un jeu sur console, ajoutant un peu de souplesse au gameplay. Ce même menu permet aussi de régler le niveau de difficulté, mais que les plus feignants ne se réjouissent pas trop vite, car aucun mode facile n'est disponible. Non, seuls des niveaux de difficulté plus élevés y sont proposés pour les plus téméraires. Avec la possibilité de s'accrocher à des plateformes ou des câbles, ou encore d'asséner des coups d'épée dans différentes directions, Valdin est loin d'être un incapable, et l'on sent que Talion a vraiment mis un point d'honneur à soigner les mouvements de son héros. Malgré l'aspect un peu lourdeau de l'homme félin, on finit par se faire à la maniabilité et à donner du fil à retordre aux différentes créatures envoyées par Norka. Le bestiaire s'avère d'ailleurs assez varié et globalement bien animé. Les traditionnels boss sont également de la fête et sans surprise, ils vendront chèrement leur peau. Jouissant d'un contenu assez solide, Lionheart a surtout marqué celles et ceux qui s'y sont essayés par sa réalisation tout bonnement splendide. Si certains trouveront les décors surchargés et truffés de couleurs criardes, impossible de nier l'énorme travail abattu par les développeurs. S'inscrivant dans une tradition propre aux jeux d'action sur Amiga et consistant à repousser toujours plus loin les limites techniques de la machine, Lionheart n'a pas à rougir à côté des plus belles productions sur cette plateforme. On notera ici et là une influence très nette du fameux Shadow of the Beast de Psygnosis. La bande-son n'est pas en reste et propose des mélodies extrêmement soignées qui restent en tête après avoir éteint la machine. Étalé sur pas moins de 4 disquettes, le jeu de Talion ne se moque pas des joueurs. Hélas, ce périple haut en couleur n'est pas exempt de défauts, comme la présence régulière de ralentissements assez gênants, surtout lors des phases de plateforme les plus ardues. Il faut dire que ces passages dans lesquels le joueur doit exécuter des sauts millimétrés se montrent parfois assez frustrants, Valdin ayant tendance à glisser facilement au bord d'une plateforme. Ainsi, et pour espérer progresser un minimum dans Lionheart, il faut se montrer patient et surtout persévérant. Avec de nombreuses potions redonnant des points de vie dispersés généreusement sur le parcours et des items à récolter pour débloquer des vies supplémentaires, le soft de Talion n'est pas insurmontable, mais il n'en reste pas moins très ardu. Plus performant sur la forme que sur le fond, Lionheart demeure néanmoins l'un des meilleurs jeux d'action plateforme de l'Amiga. Si son gameplay est effectivement loin d'être parfait, sa générosité visuelle et sonore, ainsi que ses niveaux vastes et bien construits, permettent de passer outre ses défauts. Sa grande difficulté le réserve toutefois aux plus courageux, de ceux qui se sentent l'âme d'un homme félin épris de justice.